Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans, je suis étudiant en troisième année en droit ici à l'Université de Mons. Et alors aujourd'hui on va organiser un peu des micro-trottoirs, donc on va un peu questionner les jeunes, les étudiants sur ce qui s'est un peu passé ces dernières années, leurs ressentis, les points positifs comme les points négatifs. Et voilà, c'est parti. Vas-y, viens répondre, ça nous concerne, c'est le moral des jeunes. On fait toujours la différence entre jeunes, adultes, vieux, personnes âgées, mais il n'y a même pas de différence à avoir. Même pour les personnes âgées, je sais que mon père, il déteste qu'on lui dise que c'est un vieux. Ça discrimine d'une certaine façon les gens. C'est vrai. Et donc, même le fait de dire des jeunes, mais finalement, des jeunes, c'est quoi? Est-ce qu'à partir de 30 ans, t'es jeune ou t'es vieux? Enfin, c'est ça en fait. Parce que les jeunes, c'est lesquels alors? Un mot global pour résumer ces deux dernières années. Trop nul. Ouais, chiant. Chiant. Ouais, c'est la même chose. Donc l'année 2020-2021, elle a été un peu dure pour tout le monde. Et vous, comment vous l'avez appréhendée? Parce que c'est vrai que ça se trouve, vous allez me dire, c'était super cool, moi j'étais chez moi, il n'y a pas eu de soucis, ou l'inverse. Donc voilà, je vous laisse la parole. C'était quand même assez compliqué mentalement, puisqu'on était chez nous. Les contacts sociaux manquaient cruellement. Les cours à distance, ça nous a un peu coupé humainement. Et puis la reprise en fait, ici, donc on est de retour en présentiel, je remarque quand même une fatigue générale. Ici ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'il nous met tous KO. Et à mon avis c'est parce qu'on est un peu en rechute, entre guillemets, de l'année qui vient de s'écouler. Un peu différemment des autres, moi ça a plutôt bien été. Ouais. Genre, je sais que j'ai beaucoup d'amis et tout qui ont vachement souffert de tout ça, de la situation et tout ça. Moi ça allait, genre bizarrement j'ai réussi à m'adapter aux cours à distance. Et genre même tirer un peu avantage, m'organiser et tout, parce que j'étais peut-être déjà un peu organisé de base, je sais pas, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu en dépression, qui sont un peu en bad mood, etc. Et on trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous connaissez des jeunes qui sont, voilà, qui n'en peuvent plus, qui sont un peu désespérés? Non, j'en connais pas, mais c'est sûr qu'il doit y en avoir, parce qu'avec la pandémie de Corona, surtout les bacs qui ont commencé dans ça, ils ont été déboussolés parce qu'ils n'ont pas de cours, ils ne connaissent personne, du coup ça peut être évident pour eux. Mais en tout cas, pour moi, ça va, pour l'instant, j'ai pas me plaindre. Le terme dépression, etc., c'est pas un peu péjoratif et c'est pas un peu. Ça refroidit un peu, on se dit, ah tiens, quand non, on. Non, c'est un terme adéquat parce que c'est des adultes aussi. Du coup, pourquoi pour les gens salariés on peut utiliser ce terme-là et pas pour nous? On subit les mêmes pressions qu'eux, du coup, ouais. Bad mood, oui, mais dépression, c'est quand même un mot très fort. Enfin, je suis pas pour dire dépression. C'est quand même fort et c'est aussi un peu se victimiser très fort. Un peu péjoratif, tu le mot dépression est un peu péjoratif. Oui, après on a tous eu la même humeur et simplement quand on était... le fait d'avoir eu les cours à distance, ça c'était horrible et tout le monde l'a ressenti. Rester chez soi deux semaines, trois semaines, un mois, tout seul, ça c'était très dur pour tout le monde. Je pense que le mot dépression il est un peu mal utilisé parce que c'est plus une maladie, on est plus souvent en déprime qu'en dépression. En dépression, tu oserais en parler? Est-ce que tu te sentirais capable ici d'en parler et de me dire, écoute, aujourd'hui, ces dernières semaines, je me considère en dépression, je suis pas bien? Oui, tu te sentirais. Mais il y a des cellules dans l'UNIF qui existent. Prévues, oui, pour en parler. Mais justement, est-ce que tu te sentirais capable d'aller vers ces cellules pour en parler? Oui, je pense, mais après, j'ai déjà ma famille, mes amis. Et ça te convient? Voilà, ça me convient. Mais si demain, tu n'avais pas ta famille, tes amis, ou en tout cas, tu te sentirais pas capable d'en parler de ça avec eux, et tu devais aller voir une psy, imaginons. Donc demain, tu vas voir une psy, est-ce que tu te sentirais capable également de dire, oui, je suis allé voir une psy? Est-ce que tu n'aurais pas de honte? Parce qu'on considère un peu, on remarque un peu que les adultes, quand ils disent je vais chez le psy, ils n'ont aucune honte parce que pour eux c'est pour essayer de se reconstruire correctement, etc. Mais les jeunes, des fois, ils sont un peu gênés de dire je vais voir une psy. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu des préjugés. Ouais, c'est vrai, c'est assez négatif. Ouais. Alors qu'en soi, aller voir une psy, tu peux aller voir une psy juste pour te dire j'ai envie d'aller voir une psy pour que quand je me lance, je sois bien construit. Mais en fait, c'est difficile de se dire que toi-même, tu n'arrives pas à évoluer tout seul. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'aller voir quelqu'un, mais c'est comme si t'étais un peu face à ta situation. C'est ça. Les médias, ils véhiculent pas un peu trop tous les mauvais côtés des jeunes, en fait. Donc, tout ce que les jeunes font de bien, on en parle, mais peu. Mais par contre, dès qu'on peut nous remettre la faute sur nous, on insiste, on n'y va pas normalement. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là? Oui, totalement. Je vais prendre l'exemple de la boum. Oui. On peut ne pas cautionner ça. Maintenant, stigmatiser les jeunes, oui. Quand on a vécu une année très compliquée, ça fait vraiment comme si les remarques de boomers, tous les jeunes sont cons. Oui. Mais... il y a une citation de François Mitterrand qui disait que la jeunesse n'a pas toujours raison, mais ne pas l'écouter, c'est une faute grave. Ouais. Parce que, et moi, je pense que c'est totalement ça, ce qui s'est passé. Peut-être que oui, il y a eu des accès. Des débordements. On ne nous a pas assez écoutés. Mais voilà, c'est ça. On a été un peu délaissés. Pour moi, on a été complètement délaissés. Faire des amis. Je
pense qu'il y a d'une part un détachement, mais d'autre part aussi peut-être un attachement à la politique, mais qui n'est pas forcément institutionnel, les marches pour le climat. Je veux dire, les jeunes sont quand même concernés par ça. On est sûrement, allez, je veux dire, 18-25 ans, la tranche d'âge qui fait peut-être pas le plus, mais en tout cas, on se montre qui s'investit, marcher sur le climat, etc. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on est quand même là. Je trouve que le monde politique nous a pas abandonné complètement, mais en tout cas, je trouve, n'est pas à la hauteur. Le ministère de l'Enseignement, quand la ministre Glatini nous dit de garder le rythme, alors qu'on est dans une période sombre où il y en a beaucoup qui ont broyé du noir, la précarité étudiante a augmenté, la santé mentale s'est dégradée. Je veux dire, il faut mettre en place des mesures vraiment structurelles. Et nous, on essaye à notre niveau aussi de s'entraider. Maintenant, ce n'est pas à nous d'avoir la responsabilité, justement, de lutter contre la précarité étudiante. On peut faire des choses. Maintenant, c'est au monde politique de faire tout ça. C'est pas... Enfin, c'est eux qui ont été élus pour ça, qui ont un gouvernement pour ça, il y a un accord, enfin, il y a des accords, etc. Donc c'est à eux d'un petit peu nous sortir de ça, parce que c'est pas nous qui allons sortir l'argent magique de notre poche, quoi. C'est le monde politique, pour moi, qui a cette responsabilité-là. Il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut s'accrocher, même si la période a été assez difficile pour tous les étudiants. Franchement, il faut se dire qu'on a un objectif à atteindre, qu'on veut réussir dans notre vie, il faut vraiment être positif. Et même s'il y a des aléas plus négatifs, il faut passer outre. Voilà. Il faut tout donner, même si ça va pas. Il y a des moments où on est moins bien, où on pleure pour des cours parce que c'est difficile, ouais. Et où on stresse. Mais il faut passer au-dessus et franchement, ça ira. Ça va. C'est juste un mauvais moment à passer. Les gens ont plus pu se retrouver soi-même chez soi et faire des activités pour eux-mêmes et penser d'abord à soi avant de penser aux autres et je pense que et puis enfin redécouvrir entre guillemets la famille tout ça et ses proches. On espère que le présentiel continuera et on est très content d'être à l'université ces temps-ci, voir tout le monde en amphithéâtre. Enfin, ça fait plaisir donc on croise les doigts pour la suite. Le plus important c'est de savoir s'entourer. Le plus important c'est de savoir s'entourer. Venir tout seul à l'université c'est signer son contrat de mort, la vérité. Okay. Faut savoir s'entourer des bonnes personnes, sinon ça va aller.